Ça permet d'identifier loi le vote électeur. Donc pour moi-même, mon gars, le vote électeur, c'est ça que tu participes. Donc ok, donc pour moi-même, je... non, c'est comme ça pour prendre. Parce que son bail qu'il faut, les gars du électeur à pas le voter. Non, pas vrai. Son carte d'identification nationale. Au cours des pays ça vous fait. Quoi la France? Au cours carte d'identification, il faut une inscription carte électorale. Oui, ou bien ni qu'il y a du vin électeur. Son ou bien électeur ou pas électeur. C'est ça normal. Là. Oui ou pas électeur. Son cadre gagnant, cadre d'identification nationale pour faire activité civile ouais. De tous les jours, pour entrer en contact avec les citoyens, les administrations, etc. Mais ou pas électeur. Ou électeur, c'est l'on vient voter. Bon, moi, non, l'on vient voter ou électeur. Sous l'annonce, par exemple, c'est là où tu parles de vous, tu parles de l'autre 4. Non, non. Son gain là, son liste que vous gagnez, vous avez dit son liste électorale. C'est conseil électoral, après, ni disent, imaginez encore, c'est bon, liste électorale. Mais si vous permettez de me faire un petit le système tel que le monte là, il détruit participation. Voilà. Oui, et puis, sur le plan sur le système électoral, le système électoral, il n'est pas bon. Façon que vous faites bon. De voiture. Et son système, moi-même, je manque de comprendre comment comment le cap sorti dans l'imagination. C'est même genre pour le phénomène de l'école en Haïti. Et pas aucun côté, aucun pays où tout le monde fait un voyage de près de 2 heures de temps pour aller à l'école. Les tout système de tout réduit productivité c'est parce que justement nous craser la structuration locale par exemple m'bar qui histoire gain m'regue pour mal voter comme citoyen m'regue la maison du casier qui nous zone c'est là m'gain rapport avec l'état c'est la bureau à fait pour lier c'est même problème le nous gain désastre nous n'y a pas même compte qui bon pour y aller. Parce qu'il n'y a pas de vécu social avec espace côté à vivre là. Il n'y a pas de vécu économique, il n'y a pas de vécu social, il n'y a pas de vécu de développement dans la zone côté là. Non, mais blanc, et c'est ça que le pays a comme fait. Comme ça, il a fait l'élection pour vous. Il dit, mon cher, j'ai besoin de moins de bureaux possible pour récupérer le matériel. Bon, c'est difficile. C'est difficile de mettre tout le bail sous le blanc. C'est tellement facile. Non, mais c'est ça. C'est tellement facile. Mathias, tout problème nous gagne. C'est celle de base pays à nous pas organiser qui fait un problème. Par exemple, on est à Kakavahal. Bon, on retire un excès à Kakavahal. Là, il y a une zone qui est absolument bouche. On est Thomasin. Il y a voulu voter Delma. Bon, qui logique qui gagne la donne. D'ailleurs, il y a empêché monsieur, par exemple, voter pour magistrat commune côté la vive là. Donc, premièrement, il faut un acte volontaire que si toi, on est prêt à l'élection, il décide de voter dans telle commune. Donc, là, il inscrit volontairement, il connaît. Jour que vous l'avez voté à côté, il t'a inscrit à l'avoir voté là. Faut nous, par exemple, problème, nous allons marcher sous lui là. Nous accumulons l'élection, nous faisons l'élection. Bon, qui est-ce qui a répondu aujourd'hui à un sénateur qui est élu, l'écrit dans la Constitution, l'on est élu sénateur élu pour 6 ans. Nous avons pile qui est élu là, un mandat de 6 ans constitutionnellement. Nous avons son entente, nous avons obligé de faire pour nous connaître qui est si pral dans deux tiers, qui est qui va pral résoudre, nous avons un mandat de 6 ans et puis nous avons pral 2 ans pour le faire, c'est 4 ans pour le faire. Donc nous avons le devant d'une série de problèmes et c'est ça qui fait que nous voulons, que nous pas voulons, ou bien nous pral son champ de bataille. Ou bien nous prenons son champ de concertation. Voilà. Parce que gon pile bagay qui là, si nous comprenons, nous pouvons continuer à marcher avec eux, nous avons répété même turbulence que nous toujours répété, c'est des autres nous prenons créer. Je pense que c'est un compromis pour les jeunes sur ce point, ça, colonel Lassodia. Mais ce qui est important pour nous dire, c'est qu'en démocratie, le taux de participation, si tu es en démocratie, pas non, il n'est pas affecté et légitimité de qui bon. Parce que là, il y a pièce côté, pas une pièce texte de loi qui dit qu'on pourcentage. Il n'y a pas d'obligation. Pas d'obligation pour le vote. Pas d'obligation pour le vote. À ça, à quel moment on ne peut pas parler de légitimité? Non, c'est moi qui viens avec lui, c'est pas vous-même. Alors ça me le fait comprendre, c'est que même là, il y a 3 personnes qui ont voté, il y a 2 qui votent à le bon, et légitime. Parce que ou pas obligé à le voter, non, parce que son droit pour voter, ou qu'a choisi exercer, ou qu'a choisi pas exercer. Ça pose un problème d'accessibilité tout à droit. Par exemple, pour mon voté, il faut le faire 5-6 km. Oui, oui. 5-6 km, comment on peut exercer droit ça? C'est parce que dans la société pas nous en tout. Nous refusons d'admettre que voter a son droit à part entière avec tout l'autre droit et que nous minimisons, nous mettons dans une situation qu'il n'a pas qu'à exercer le droit ça, il n'a pas qu'à jouir et applicabilité droit à tout. Parce que vous gagnez un système virtuel de grands électeurs
qui a deux grands électeurs, qui c'est l'élite économique avec la communauté internationale là, qui prend utiliser les collabos pour organiser le système là de celle que tout le monde n'a pas accès. Et que là, tout le monde n'a pas accès ou pas de fièvre, parce qu'on est pour manipuler les résultats, on peut manipuler pour barrer. Moi, j'aime pas accuser la communauté internationale, les blancs, j'aime pas accuser l'élite économique, tout. C'est fait. Ce qui est important, c'est que l'État a une responsabilité pour mettre les droits accessibles, qu'il rende accessible les droits. C'est ça qui est fondamental. Alors, j'ai l'impression qu'on est obligé de faire un tour de table. On a fait tour de table. Oui, parce que monsieur, votre émission, elle fait le bain. C'est tour de table en affaire. Et ma petite dernière mot pour. Non. Vous invitez spécial là. Il y a deux autorités. Autorité. En principe, député a pigou autorité. Ah bon? Oui. Député a pigou autorité. Il y a deux autorités sous tabac là. Mon parlementaire en fonction, mon secrétaire d'État à la sécurité publique. Ah bon? Oui, député a. Elle a plus grande autorité. Elle a plus grande autorité. Bon, dans la réalité, son autre bagaille. Mais député, c'est le plus grande autorité. Si vous m'avez okay. là, si vous m'avez là, vous m'avez le nec de téléphone pour vous faire. Oui, sécurité. Oui, c'est ça. Pas de problème, mais c'est député. Vous n'avez pas besoin de tout, si des autres qui gouvernement. Vous n'avez pas besoin de tout. Laisse à la solidaire. Non. On y en fait blanc. Non, et celle-là, elle me fait toujours répondre. Elle me fait exactement ça que vous me faites avec la juste mesure. Eh bien, ok, donc, on a quitté, comme député à Pigou Autorité, que secrétaire d'État, on a quitté le parlant dernier ou à parlant avant dernier. C'est ça, on a commencé. En guise de conclusion, on a fait ça. Je dis un technicien, Oui. Et politique secret, mais pas la dernière. C'est ça. Pourquoi colonel l'a pas appelé? C'est la question du risque avec désastre. Oui, c'est ça. Heureusement, tu as plus de chapeaux. Oui, c'est un plaisir pour nous ensemble. Et matin, on a une émission spéciale. Oui, ça, c'est et ton plaisir. Willer. Bon, nous t'ai abordé un peu la question des risques. Parce que nous dit son bagage qui pour que résultat où encore à faire attendre parce que pour qu'on ait conscience et du risque au niveau de l'État. Et, mais excusez-moi, seconde, député Anel Bélizère, bon, qui branchait longtemps, bon, qui sort dit pas d'accord à approche colonel Rébuyan. Alors, surtout nous invité sous téléphone, non, il était là samedi. Oui, alors, oui, député Anel Bélizère a dit que l'éclair que le monde qui fait plus voix dans le premier tour, c'est lui qui est premier sénateur. Député, qui disposition légale et qui dit-il? Vous voyez, dites-nous qui disposition légale et qui dit-il? Oui, monsieur Pierre. Oui, donc non dit parce que pour au niveau de conscience qui prend au niveau de l'État pour connaître que réduction des vulnérabilités sont éléments fondamentaux là on parler de développement d'un pays. Donc le droit à la protection c'est un droit qui est garanti par la Constitution. Donc l'État doit protéger citoyens contre les risques de catastrophe. Donc il n'est pas normal pour que n'a vive nos sociétés côté que il y a des documents internationaux que nous paraffer nous adopter nous participer là-dedans yo pour nous toujours quitter documents ça yo dans tiroir et m'a insisté sur le cadre d'action de logo que ne cherchez pas vulgariser question yo quitter le tiroir parce que ça pas en priorité pour yo et c'est lui même qui montrait qui route pour nous faire pour nous réduire vulnérabilité territoire là. Donc là on a parlé de question de gestion des risques en Haïti, ou ap gonfle gagan, non, moi, ils sont hypocrites. Donc, ou sont démagogues, ou sont bluffeurs. Parce que, principal instrument, ou pas météo en application. Donc, ou dit que question sécurité, protection citoyenne, ou pas en priorité pour vous. Donc, là, les remettez en question aussi, société civile là, le secteur privé des affaires, les médias, les associations dans la société là, ils doivent exiger, j'en ai mobilisé pour que, conseil des droits pour faire l'État respecter. Le droit à la protection. Droit pour que yo réduit vulnérabilité territoire là. Droit pour que citoyens yo et pas victimes et de manière capable de dire considérable, tant sur le plan financier, humain, environnemental, pour nous pas victimes qu'on ça pas à se répéter de nature, il faut que nous exigeons l'État à respecter nous. Faut tout gagner des législations qui mettent en place pour que yo responsabilisent les gens qui n'ont pas de responsabilité. Ce n'est pas normal pour que, regardez ça qui passe dans Mathieu, hein?
pour monsieur il attend 4 5 semaines avant qu'il ait porté secours à des citoyens. C'est parce que il pas une obligation de résultat. Donc nous exigeons faut qu'on obligation de résultat pour que monde qui n'a pas de responsabilité connaît que la justice obtenu au cas où il pas pris responsabilité là pour prendre. Il n'est pas normal pour que à 7 ans après tremblement de terre là, pour que nous parions de manière tangible et visible ça qu'a fait sur le plan de la réduction des risques de vulnérabilité. Il y a des documents dans mes pour ça. Il y a des experts internationaux qui là avec monsieur yo. Pour qui ça nous là toujours nous pouvons avoir résultat tangible. Pour qui ça nous pouvons avoir par exemple texte de loi qui dit qui exprime sur la prévention, sur les secours, comment pour ça fait? Comment faire que pas qu'on mobilisation pour nous gagner des ressources suffisantes qui forment qui outillent pour faire face à ces défis? Hein? Regardez, il y a parlé de médecine de catastrophe. Nous pouvons jamais avoir un médecin qui formé en matière de médecine de catastrophe, alors que nous très vulnérables par rapport avec ça. Nous pouvons gagner des psychologues de catastrophe qui pour prendre en charge une capable de monde qui atteint psychiquement par ce phénomène là. Donc un ensemble de travail qui pour faire, c'est société civile là pour mobiliser. Gens que n'a mobilisé pour l'autre droit, faut mobiliser pour droit ça tout, droit à protection, droit que pour l'État rendre compte. Les que catastrophes okay. Frappent les citoyens, mm-hmm. Les nos victimes. Il faut qu'il y ait une association de victimes qui forme, qui pour accuser l'État, ça. Moun qui n'a pas de responsabilité pour qu'on connaît que son responsabilité que vous gagnez pour protéger les citoyens. Donc, réduction vulnérabilité, allez, n'a pas parlé de développement. Ou pas qu'à venir, ou à préparer tant, ou à préparer manger, mettre là, pour que les catastrophes viennent, pour qu'on prenne, soit fait, pour l'aller. Yeah. Nous tous gardons qui dégâts fait, là, on a gardé PIB, yo. Pendant 5 à 6 grandes catastrophes que nous connaissons pendant les dernières décennies. PIB a totalement très affecté. Donc, secteur privé a tout le gain fort pour le faire tout, parce que tout côté, il a investi dans réduire vulnérabilité territoriale. Donc, on s'aime de bataille pour mettre en pied, que ce soit sur le plan ressources humaines, formation, que ce soit dans l'investissement budget national, là, il faut qu'on compte pas qui est alloué à question réduction et des risques de catastrophes dans la société. Là. Il n'est pas normal pour que ces grappiers ne grappent alors que il y a un fonds qui a alloué pour faire l'autre bagaille qui n'a pas gagné pour louer avec intérêt nation. Donc, je dis, il faut nous réveiller conscience, nous avons dormi sous question ça, vulnérabilité territoire. Ce n'est pas chaque année venir faire discours. Tous les gratins politiques ou religieux venir pour faire discours, faire des démagogies. Merci. C'est merci, même merci, discours qu'il a bâillé pendant 7 ans. Hein? Tangiblement, nous n'avons aucun résultat. Je dis à nous besoin de résultats. Merci. Merci en pile, Guichard Doré. Merci. Bon. Peggy, parce que nous avons une possibilité pour m'exprimer. Donc, moi, je crois que ça nous besoin, je dis à la, c'est que nous besoin de réconcilier, pays à réconcilier avec lui-même, également avec le changement, comme vous avez dit tout à l'heure, tout ça qui peut intérêt à protection, pays à et puis réduire vulnérabilité. Bon, même toujours dit, à côté des doigts, il y a le devoir. Donc, mon gars construit dans la ville, non, pas besoin de l'État dire pour pas le construire dans la ville, non. Mais quand on connaît que la ville, non, l'homme vient là-dedans quand même. Donc, ouais, il y a le devoir de l'homme. Ouais, le devoir de respecter sa nature, l'a dit, devoir également pour pas bâtir n'importe côté, devoir également pour sécuriser petit tout, genre, on prend soin de bâtir, nous mettons tout pour, on va pas mettre là en état de sécurité, là, on va le construire dans la ville, non, pas besoin de l'État pour les douze. Parce que c'est vrai que l'autorité aussi, vous avez fait le travail par eux, mais de l'autre côté, les citoyens, ils ont une responsabilité tout, puis ils ont partagé à réduire la vulnérabilité. Donc, moi, je crois que, bon, il y a une élection qui est faite, puisque c'est un débat de fait question, et M. Mathias pensait que, faut qu'il y ait pas grand victoire, donc c'est la cause nationale qui peut nous défendre. Moi, c'est que peut-être, c'est peut-être l'ambition de tout le monde qui a fait politique, c'est que faut qu'on sait l'ambition de servir la patrie, servir la nation. Bon, moi, je souhaitais que qu'il y ait un gouvernement qui reflète l'aspiration ça que on dit, peut-être c'est mon souhait personnel. Et donc, écoutez, que nous avons gagné les différentes forces du pays qui cap quoi que pays ça, et malgré divergences politiques, mais faut mettre l'accent sur l'intérêt du développement économique et social, parce c'est que, bon, dans 10, 15, 20 ans, pour nous payer, il y a même chien côté des jeunes. On fait regarder là, tout à l'heure, un rapport Banque mondiale qui dit que nous, pour 2017, là, nous avons gagné, nous pas, non, récession.
Il dit que nous n'avons pas le taux de croissance en dessous des zéros. Donc, moi, je crois que c'est, il m'a donné plus de responsabilité pour nous mettre accent au problème politique. On m'a pas dit pour nous ignorer, mais le problème politique qui bat un problème, nous n'avons pas résolu, c'est pour nous qu'on a parlé tout à l'heure. Problème environnement, problème parisien pour les populations qui sont dans la pauvreté, le développement économique et social, une jeunesse qui n'a pas de travail. Donc, du coup, nous besoin que nous un appareil politique qui accompagne le changement, un appareil politique tout qui travaille pour le bonheur du peuple haïtien. Parce que ça ne sert à rien à s'opposer. Ou s'opposer au progrès du peuple haïtien. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que je conclue que ce soit mon café politique, parce que fait le bilan des 30 ans après les débats du Valier, tu n'as pas quelques ressources qui sont dans le pays, on dit tout, yo, le Duvalier, que ma petite leader politique qui a dit, Jean-Claude Leltonen, il dit, mais tu as un avion dans le pays, monsieur. Côté ça, ne fait avec vous. Tu as un hélicoptère de parti qui t'a ça ne fait avec vous. Tu as quitté au DPG, tu as quitté au DVA, tu as mangé jusqu'à 84, Haïti n'a pas importé par même sac duré. Nous avons gagné ODN, nous avons gagné en série de bagages, donc chaque temps nous besoin parler des progrès en Haïti, il faut faire un recul de 30 ans. Moi, je crois que génération pas nous, nous avons responsabilité pour nous stopper des centres aux enfants ça et pour nous prier de l'avant. Moi, c'est ça que je dis, que tout le monde a le travail, mais dans la main pour payer un cadre. Il y a des demandes contre une cahier, pas l'élection après 5 ans. Également, moi, toujours dit, il faut qu'il y ait un vainqueur conciliant et des perdants élégants. Moi, ça commence à expliquer. Je reviens au vainqueur pour lui conciliant pour voir comment payer à cabaler de là-bas. Merci. Merci, Ampile. Maître Merzius, en guise de conclusion. Bon, en guise de conclusion, nous remercions d'être invités nous jeudi. Nous remercions tout le panel ici. Mais ce qui est important pour nous dire, c'est que, dans le niveau que nous avons payé là, nous pensons qu'il faut avoir conscience qui prend. Pour que chaque monde connaisse que c'est intérêt payant d'abord, peu importe statut, peu importe position, c'est intérêt payant. Parce que si tout le monde te comprend que c'est intérêt payant, qu'on pas qu'être bail qui passe, que pas d'abjam passer des situations regrettables, et qu'on ne pas qu'à tourner sur, qu'on ne pas qu'à changer, on ne pas qu'à corriger. Donc, je pense que, dans le prochain mois qu'à venir, avec le prochain gouvernement qu'à venir, autorité de l'État, qui est au cas de prendre conscience pour ne pas répéter les mêmes erreurs qui étaient passées déjà, et qui est au cas engagé pour respecter les droits fondamentaux de la personne humaine, même genre, même Jean-Michel a parlé des devoirs de l'homme, mais nous connaissons tous si l'État n'a pas garanti les devoirs de café parce qu'ils sont tout complexes pour que l'État respecte, le protège et le garantit les droits fondamentaux. Donc nous souhaitons que les jours à venir soient capables mieux que je passe au pays d'Haïti. Merci, M. Merzius. Colo ou bien. Monsieur Pierre. Bon, et bon, même quoi que. Je commence à gagner 50 ans, je vais gagner l'autre semaine là. Moi, quoi que. Moi, j'étais sur le même point. Et l'homme des candidats, j'étais maintenant en campagne sur un, nécessité d'un pacte pour développement croissance dans le pays. Hein. Parce que je pense que nous faisons un pacte pour liberté en 1804. Je vous dis, il faut que nous faisons un pacte pour développement croissance. Pour que le pays s'apprend l'autre route, pour que le monde soit capable de tout bon. Et je crois que l'important pour nous arriver à l'élément ça, il faut que nous passions par une décentralisation réelle. Ça veut dire que renforcer les pouvoirs locaux qui pour permettre nous développer le pays. Et ça n'a pas qu'à faire avec un grand monde, ça n'a pas qu'à faire dans célébrer victoire, ça a dû faire dans travail ensemble. Dans ce sens, ça, moi, je crois et moi, je dis. Moi, je crois que aujourd'hui, hein, et il faut que nous gardions la nation. Hein, et livre l'a dit en pile. Lors d'une élection qui vient de faire, et où gagnent et trois candidats qui viennent après eux, et qui ouvertement pas concédé l'élection, hein, et continuer à persister de un coup d'État électoral. Livre l'a dit en pile. Et dans ce sens, ça, moi, je pense que l'a pas annoncé de beaux jours. Et comme il n'est pas annoncé de beau jour, il faut que nous-mêmes, leaders politiques, qui a fait politique, qui est conscient de problèmes paysans, il faut que nous réfléchissions, faut nous prendre pour nous garder. Parce que tendance pouvoir en général, ou bien trois premières années, et c'est la célébration, et deux ans et demi, et puis après, ou bien la descente aux enfers, et son cycle de cinq ans. Qui compte ou bien pas quitter 5 ans fini, ou bien basculer tout le bagage, parce que je veux dire, il faut que nous conscients de défi ça y est, et il n'y a pas lieu de célébrer, et je pense que je veux dire, mon système électoral, qui c'est le premier élément pour nous toucher, il faut que nous refaisons système ça, un, pour que le système ça vienne nationaliser, deux, pour que les fait élection réellement pour Haïtiens, trois, pour ne pas permettre
et ça qui pas dans la loi électorale dans la constitution haïtienne, ça veut dire que les grands électeurs qui manipulent l'élection, il faut que nous éliminions ça, et là ça, on est capable de une démocratie qui avance, et là ça, le pays est capable de prendre route, confiance. Je salue. Colo, merci de nous avoir donné la primeur de ton retour sur la scène médiatique. Hein? Ce n'est pas un retour sur la scène médiatique. Nous continuons avec même contrainte morale et par rapport à la fonction que je m'a occupé. Et ça me capable de dire, moi, ça fait 9 mois dont une très belle expérience. Avec le président privé, avec le ministre Jean-Charles, le chef de cabinet président, et M. Jean-Max Belrive. Côté de travail, dans la sérénité et avec une ligne directrice sur chaque dossier. Et une très belle expérience avec la police nationale également qui gagne totale capacité pour la quitter le travail, et malgré toutes difficultés, des difficultés fonctionnelles et très sérieuses qui gagnent. Je crois que c'est une expérience qui a continué, parce que comme je dis tout à l'heure, l'élection est beaucoup finie. Nous avons pour finaliser le processus-là, nous avons pour sécuriser, rentrer nouveau président. Donc nous souhaitons que le problème politique soit géré côté pour gérer. Et problème qu'il y a, sécurité citoyenne, il y a géré tout. Et des insatisfactions également. Parce que grand pile belle idée, grand pile bagaille qui est extrêmement important pour le pays, on t'a qu'à faire. Mais contrainte factuelle, il faut vivre des frustrations, il y a des bagailles très belles, très importantes pour la société, on t'a qu'à faire. Ou pas qu'il est arrivé à faire. Par exemple, le président privé a été chargé dans le dossier, dans l'étude de dossier sur la sécurité routière. Et travail à la fin de fête. Et naturellement, son